Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois à notre capsule Le Rendez-vous. On aime prendre du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, à découvrir ensemble ce que Dieu a fait pour nous, qui nous sommes en lui et ce que nous pouvons avoir. Et ensuite, on prend un temps dans sa présence pour le remercier pour toutes ses promesses, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et ce soir, on va prendre un temps pour remercier Dieu d'avoir fait toutes choses nouvelles. Amen. Lorsqu'on a fait de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, en lui, toutes choses sont nouvelles. Et la parole de Dieu est vraiment absolue. Quand la Bible nous dit « toutes choses », ça veut dire « toutes choses ». Il n'y a pas entre les lignes, c'est pas presque tout, mais toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Il n'y a absolument rien de notre passé qui nous suit en lui. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est le premier verset qu'on va voir ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes tellement nouveaux en Jésus-Christ que Dieu doit nous introduire à notre nouveau nous. On doit passer du temps dans la parole de Dieu pour découvrir qui nous sommes devenus maintenant en étant en Jésus-Christ. Toutes choses sont nouvelles et ça, c'est grâce à Dieu. Jésus n'a pas seulement recoller les pots cassés. Jésus n'est pas seulement venu sur la terre pour panser nos blessures, pour réparer nos blessures, mais nous sommes devenus nouveaux. Si on a été blessé, brisé, déçu dans des événements qu'on a vécu, des circonstances qui nous ont affectés, en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. On peut recommencer chaque matin de nouveau. On a l'opportunité de recommencer de nouveau à chaque jour. À chaque matin, de nouvelles opportunités sont devant nous. Et on n'a pas à traîner tout notre bagage du passé. On a de nouvelles opportunités chaque matin en Jésus-Christ. Amen. Galates, chapitre 6, verset 15. Galates 6, 15 nous dit, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. » Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Merci Seigneur qu'il n'a pas seulement envoyé Jésus pour réparer nos blessures, mais faire de nous de nouvelles créatures. Il nous a donné un nouveau cœur, une nouvelle nature. Nous sommes des nouveaux êtres. Notre façon d'être n'est plus basée sur qui nous étions, mais sur ce que Dieu a fait en nous. Alors, choisissons de vivre, de découvrir cette nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus. Ne nous voyons plus nous-mêmes pour ce que nous étions, pour nos erreurs du passé, mais croyons ensemble que nous sommes nouveaux en Jésus-Christ et que lorsqu'on voit dans la parole de Dieu que nous sommes libérés, que nous sommes rachetés, que nous sommes aimés, nous sommes libérés, voyons-nous de cette façon, selon la parole. Nous devons laisser la parole de Dieu nous dire qui nous sommes, parce qu'on ne sait plus qui nous sommes en Jésus-Christ. Tout est nouveau, tout est changé. Alors merci Seigneur qu'on n'a plus à traîner notre bagage du passé. Nos blessures, nos échecs, nos manques sont derrière nous. Chaque matin, on a l'opportunité de recommencer en neuf avec Dieu. Alors merci Seigneur d'avoir fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Tu n'es pas seulement venu sur la terre pour réparer nos blessures, pour recoller notre cœur qui avait été brisé, mais nous donner un nouveau cœur, une nouvelle nature, des talents, un potentiel illimité en toi, qui n'est pas basé sur notre mode de vie d'avant, sur nos expériences du passé, sur la famille dans laquelle on a grandi. Mais en toi, nous sommes de nouvelles créatures. Pas grâce à nous, pas grâce à nos œuvres ou à nos talents, mais grâce à toi qui nous a donné
une nouvelle nature. Fais de nous de nouvelles créatures. Et on veut découvrir tout ce que tu as pour nous maintenant dans ta parole. Qui tu dis que nous sommes? On doit apprendre à se connaître nous-mêmes et découvrir le potentiel que tu as mis en nous. Alors, on prend un temps aujourd'hui pour te remercier d'avoir fait de nous de nouvelles créatures. Toutes choses sont nouvelles en toi. Et on sait que tout ce que tu as pour nous est bon. Tu as seulement de bons projets, de bonnes choses pour notre futur. Alors, merci d'avance d'avoir vu la condition dans laquelle on était et de ne pas nous avoir laissés comme ça, d'être venu nous donner l'opportunité de recommencer en neuf. Chaque matin, ta grâce se renouvelle chaque matin. On peut recommencer à nouveau. Alors, merci Seigneur d'avoir tout accompli pour nous, une fois pour toutes à la croix, et nous donner l'opportunité d'être de nouvelles créatures en toi. Merci pour tout ce que tu as fait et toute l'œuvre que tu continues de faire en nous, à travers nous et pour nous. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, toutes choses nouvelles.
Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 10. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci Seigneur que tout ça n'a rien à voir avec nous, mais tu nous as sauvés grâce à ton grand amour. Lorsque tu as vu la condition dans laquelle nous étions, tu as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous rétablir dans la condition que nous avions avec toi auparavant. Merci Seigneur que tu as tout accompli. Tu nous as justifiés. Tu nous as élevés. Tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en toi. Et cela n'est pas grâce à nos œuvres, à nos performances, grâce à nos talents ou notre attitude, mais grâce à toi, grâce au grand amour dont tu nous as démontré. Tu nous as transformés, tu nous as changés, tu nous as rétablis. Tu nous as donné une nouvelle nature qui est pleine dans le potentiel pour qu'on puisse dominer sur le péché, pour qu'on puisse être élevé au-dessus de toute circonstance, de toute attaque de l'ennemi, pour qu'il ne puisse nous atteindre. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. On veut te remercier et te rendre gloire pour ce que tu as fait pour nous. Parce qu'on sait très bien que sans toi, on ne peut rien accomplir. Sans toi, on ne pourrait pas être et faire ce qu'on peut faire en étant transformé par ta nature que tu nous as donnée. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures, pleines de potentiel en Jésus-Christ, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Tu nous as amenés dans les lieux célestes avec toi en Jésus-Christ pour qu'on puisse vivre, non seulement survivre en passant à travers par nos efforts, mais qu'on puisse vivre la plénitude de ce que Jésus a obtenu pour nous. Oh, merci Jésus pour tout ce que tu as fait.
tout accompli. Je sais que je suis choisi. Je suis Merci Seigneur, parce qu'en toi, on a un espoir certain, un espoir assuré qu'il n'y a aucun cas perdu. Une touche de ton esprit peut changer toute chose. Oui, toutes choses peuvent être nouvelles en lui. Ne pensez jamais que vous avez fait trop d'erreurs, commis trop de péchés ou vous avez échoué trop de fois, que Dieu ne peut plus vous utiliser pour son œuvre, que vous n'êtes plus à la hauteur pour qualifier pour être efficace pour le royaume de Dieu. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi qu'il ne faut pas croire. Il faut choisir de rejeter cette condamnation. Les erreurs du passé, ne laissez pas l'ennemi vous rappeler vos erreurs du passé. Parce qu'en Christ, toutes choses sont nouvelles. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Prenez la décision de vous lever chaque matin en déclarant « Aujourd'hui est une journée nouvelle. Les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, je choisis d'être une nouvelle créature, de garder mon regard fixé sur Dieu, de faire ce qu'il me demande, d'aller là où il veut que j'aille et de faire ce qu'il veut que je fasse. » Choisissez de rejeter la condamnation, de laisser de côté vos erreurs du passé et de ne pas laisser ça vous empêcher d'avancer dans les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour vous. Amen. Toutes choses sont nouvelles en Dieu. Aucun cas n'est trop désespéré. Alors continuez de garder espoir, cet espoir assuré qu'on a en lui de repartir en neuf chaque matin. De laisser le passé derrière et de focusser notre regard sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. Alors, amen. Continuez de méditer sur ces versets tout au long de la semaine, sachant que vous avez un espoir assuré en lui. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Notre passé n'a plus d'importance. On doit choisir de le laisser derrière et avancer avec assurance dans les projets que Dieu a pour nous. Amen. Soyez bénis. On vous aime. Bonne semaine.